Gros bonjour pour nous toutes et comme nous faisons chaque jour, et ti causerie sous match qui était joué pendant journée qui se passait là. Journée de juillet a gagné et 4 matchs et nous et dans tous les 4 matchs nous allons parler de yo. D'abord, tu as gagné et équipe Roumanien qui perdu la Coupe d'Europe devant la Hollande 3-0 et puis l'Australie. L'Autriche qui perdu devant la Turquie qui bat les 2-1. C'est la Coupe d'Europe et le dernier coup plan, c'était les 2 derniers huitièmes de finale qui t'appellent un match pour quart de finale. Et puis la Coupe américaine, la souhait, Brésil fait match 1-1 avec la Colombie et Costa Rica bat Paraguay 2-1. Finalement, c'est Paraguay qui était plus nul dans le groupe ça. Le premier match qui était fait pendant la journée, hein, c'était match Roumanie-La-Hollande. Le match a fini 3-0. L'avantage Roumanie. Gakpo fait premier goal là, la 20e minute de jeu. Et puis Malem fait deux autres goals, 83e et 93e minute de jeu. La Hollande qualifiée pour les quarts de finale. Les battent la Roumanie, qui était fini premier dans le groupe LIA. Pendant que Hollande même était fini troisième dans le groupe là. Mais Hollande gagne vraiment avec une facilité. Que la Hollande gagne équipe Roumanie. Groupe ça qui gagne Belgique, qui gagne Slovaquie, qui gagne Roumanie. Roumanie était premier, Belgique était deuxième, Slovaquie était troisième. Tous les trois équipes ça yo éliminées. Bon, équipe dans groupe ça qui passé, c'est résultat ça qui bail dans groupe ça. Parce que nous connaissons l'Angleterre éliminé Slovaquie et Hollande éliminé Roumanie. Et puis la Belgique, la France éliminait la Belgique. Alors que toute équipe dans le groupe a gagné 4 points. Même l'Ukraine qui éliminait, c'est 4 points de gagné. Et Roumanie, par exemple, fait pour aller au match, la Hollande battait bien facile pendant que nous connaissons. Hollande, son équipe qui est très limitée. Gagné l'après-midi, match à lui-même, était plus équilibré, était plus belle. La Turquie t'a joué contre. Équipe autrichienne. Turquie au bat match à 2-1. Yo tap mené 1-0 bonheur. Mérite de miral arrière central de marquer premier goal match à Soukone. Rebond en faveur à Babel. Et puis monsieur fait goal là. Gardien de défense sauvetage. Et puis ballon avec monsieur fait goal là. Et match là. Autrichien revient entrer dans le match. Tout de suite après le Pangol, ils ont dominé l'équipe turque. L'Autriche était parti favori puisque c'est le premier lien. Ils ont sorti dans le groupe qui gagne la France avec la Hollande. Ils ont dominé pendant un bon bout de partie dans le match. Arnautovic était venu à l'égalisation pour le Bafel. Et en deuxième mi-temps, et pour le gagner, après un bon nombre de temps, l'équipe autrichienne a cherché l'égalisation. Eh bien non, c'est même Demiral Zan dans la 59e minute de jeu sous Kone. Qui t'a pas le bat et donne ça dans les airs pour faire deuxième goal là, pour te permettre équipe Turc l'a mené 2-1. En ce moment, et Autriche là qui colle à la net, plusieurs changements faits et il t'a pas réduit score là. Il t'a pas réduit score là à 2-1. Grégoric, dans la 66e minute de jeu, t'a pas marqué goal, son passe de Stéphane Poche. Le score à 2-1. L'Autriche domine le match là, elle cherche égalisation. L'arrêt de jeu, dernière minute, arrêt de jeu à goalkeeper à Prince et goalkeeper Turc là. Monsieur font super arrêt pour le retirer un coup de tête qui te gagne goal là, Dani. Et il te permet la Turquie qualifiée et c'est la Turquie qui a gagné pour jouer contre la Hollande l'autre quart de finale là. Nous venons gagner un tableau à complet. Vendredi après-midi, à midi, la France, non, c'est pas la France, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a joué avec l'Espagne à midi. Puis le même vendredi, ça à 3 h, Portugal a joué et contre la France. Ça veut dire qu'on a bien deux bons matchs vendredi pour la quart de finale. Et puis le samedi,
midi l'Angleterre joue contre la Suisse, alors que la Hollande lui-même a joué contre la Turquie. Équipe nous qui la même jour fait quart de finale même jour, c'est yo qui a gagné pour jouer demi-finale ensemble. Si l'Angleterre Suisse et ça gagne, la gagne pour jouer contre vainqueur Turquie contre la Hollande là. C'est comme ça que tableau quart de finale là y est pour Coupe d'Europe des Nations. Match en yo même. Et comme match c'est vendredi à jouer et jeudi et c'est mercredi vendredi matin ou bien jeudi n'a pas gagné fond vidéo tout match à yo cap gagne pour jouer sur le quart de finale Espagne Allemagne match n'a parlé sur les en pile n'a pas gagné pour fond vidéo tout sur France Portugal et puis n'a pas fond seule vidéo pour Hollande contre Turquie et puis l'Angleterre contre la Turquie et l'Angleterre contre la Suisse. On va se capable faire on seule vidéo pour deux matchs mais l'Allemagne contre l'Espagne mandon vidéo pour col. Portugal contre la France mandon vidéo pour col. N'a pas fait comme ça. La Copa América t'a gagné un dernier groupe la groupe D qui t'a joué hier soir pour noter qu'on est vainqueur yo. Équipe colombienne li fait match nul. Il faut rappeler que match a joué même là. La Colombie fait match nul avec le Brésil 1-1. Match a été un match d'engagement. Et on commence par match en pile coup de pied bail. Gagné pas moins de combien carton jaune. Gagné et Brésil prend 3 cartons jaunes, Colombie prend 2. Il y a 5 cartons jaunes qui battent le match là. Malheureusement pour Brésil, parmi les gens qui prennent 4 cartons jaunes, ça y est, Vinicius. C'est monsieur qui prend le premier carton jaune match football là, dans la 7e minute de jeu, alors qu'il y a un carton déjà sous tête, qu'il dépend le match Paraguay. Ça qui vient de faire que match Uruguay, que Brésil va gagner pour jouer à Vinicius, pas capable de jouer pour l'équipe brésilienne. Match a été gagné et en pile faute la donne. L'aime dit non en pile faute là vraiment en pile faute. On va le nom de faute qui fait de chaque côté. Et Brésil fait 14 fautes, Colombie fait 19 fautes. Ça fait beaucoup. 33 fautes dans match football. Et entre Brésil et Colombie. C'est un match qui commence côté que deux équipes n'ont pas même fait round d'observation. Tous les deux Younte vle prendre en prison sur l'autre. Ames Rodriguez bonne le match après font coup franc qui pral de la 5e minute de jeu. Supprendre goal qui pas mes chances pour lui. Ballon fait un coup franc très loin. Ballon tellement à la force. Alisson pas même boule là. Il va appeler un bat transversal là le sorti dehors. Et puis 12 minutes après, et Rafinha son faute que il fait sous lui. Ça pas font superbe coup franc tout pour te permettre Brésil mener 1-0. À ce moment du match, équipe et brésilienne te gagné première place là la main parce que c'est match nul pas bon pour Brésil. Faut que Brésil te gagné pour te gagner premier et place match football ça l'emmène. Mais gagner plusieurs faits de jeu qui passent et la match plus l'aime de nous plusieurs à plusieurs te gagner et te gagner plusieurs et bagages qui passent en dans match football ça nous pas gagner pour nous parler de yo yon après l'autre. Et moi pense que la Colombie font bon goal. Voyez le beau Peter. Moi pense que la Colombie font bon goal que Valan éliminé. Mais là regardez alignement et goal là. Moun qui fait goal là Sanchez. Davidson Sanchez. Monsieur pas au jeu lui-même. Monsieur pas gagne rien pour louer la bagaille comme ça. Et hors jeu de position, pas existe encore le football. Sous pas influencer ce jeu là, et bien, boule là, normalement, c'est bon goal que Brésil prend. Valan et éliminer goal là.
mais pas de gagner et pas de gagner bagaille comme ça du tout. Après ça, l'on fait match là, Daniel Nunez pas légalisé son passe de Cardozo. Et défense Brésil là en retard l'alignement passe là Cardozo fait passe là et puis nous laisse faire goal là égalisation 1 à 1 laisse à nous temps nous t'étais rentré la 45e minute de jeu et mi-temps fini 1 à 1 mais avant goal ça gagné on l'autre polémique en deux matchs là Vinicius gon ballon que li l'on discussion avec une arrière colombien yo Ari attaqué. Ballon, Vinicius, teke ballon avant, arrière. Parce que ça crive, le wap tacle en de carré, bagay qui te rive la Mexique avec et Équateur. Le habit d'abay penalité dans le fin match, que Valant te retire. Arrière, équatorien, c'est lui-même qui teke ballon. Qu'on a vu une frappe avec Negla après, pas de aucune incidence, pas de pénalité, parce que avant le jeu boule là. Le jeu boule là, avant, ça qui vient faire que, il est capable de frapper, depuis que tu as vu boule là avant, il gagne avantage sur. Et le cas ça, n'a pas eu là sur image. Ari attaqué le parfum ballon. Qu'on y a là, Livin gagne contact avec Vinicius. M'a montré nous deux images. Première image là, c'est l'image là, monsieur fait tacle. Deuxième image là, c'est pied. Deux pieds collés ensemble. On a pas compris ça dans tête nèg va yo faire pas pénalité. Mais logiquement, sous image c'est pénalité liée. Pourquoi ça me dit ces pénalités liées? Parce que gain contact. Gain contact, pas problème. Parce que le Mexique Équateur a gain contact tout. Mais le Mexique Équateur a arrêté le ballon. Là, ça, c'est Vinicius qui a attaqué boule là avant. Arrière colombien. Vin pas une boule, c'est Vinicius qui joue. Negyo, bah, il connaît. Pourtant, pas gain connaît parce que c'est Vinicius qui a attaqué boule là. S'il va bien aller, c'est mettre 50 liens. Moi-même, je pense que Valent fait erreur pour deux actions. Ça, goal colombien, bon goal. Pénalité sur Vinicius, je ne vais pas. Image claire. Et en deuxième mi-temps, deux équipes ont joué. Et chaque équipe a eu un moment. Dans la première mi-temps, Colombie était largement abdominée. Colombie était 59%. Possession de balle là, mais en deuxième mi-temps, la vin rééquilibré. Brésil finit avec possession 51-49. Ça veut dire que c'est comme là où Brésil t'apparaît dominé deuxième mi-temps. Mais c'est Colombie qui joue des actions plus ou moins claires que était capable marquer deuxième, voilà, notamment Boré, qui était le match là en fin de match. Son passe de Luis Jasper. Monsieur Fonpladu, puis avec ma théâtre, avec volé tête là, ça a été supposé goal pour Colombie te mener 2-1, là, ça nous a fait match là. Et Brésil, tout, l'on belle frappe de Gomez, que le goalkeeper a été pas le voir et aller, t'es capable d'égaliser, t'es capable de jouer 2-1 pour te permettre Brésil fini match là 2-1, parce que c'est l'arrêt de Dieu qui est là. Et l'arrêt de Dieu, ça a connu shooté. Ballon retourné à le connaître encore. Et comme t'es arrivé, 5 minutes, tu as fini. Les boules la retourne en corner, elle dégage 5, 10, 5, 12. Et bien, Abit l'a pas rajouté sous lui. Abit l'a gagné ça. Il a 5 minutes à Dieu. Depuis 5 minutes, l'arrivée est capable de siffler match fini. S'il pas dit que l'ajoute un grain sous lui en plus, ou bien mettre 2 minutes sous lui, s'il est 6 minutes à Dieu, il a Dieu. Depuis le pas fait ça. 5 minutes, l'arrivée est capable de siffler match fini. Joueur brésilien contesté, entraîneur contesté, mais Abit l'a c'est lui qui a raison. Parce que tant est fini. Depuis temps fini, avec la cassifle. Et c'est ça, Abid l'a fait. Et comme Brésilien, moi, je suis d'accord avec vous dans le sens que, tant pour me voir à Hugo, puis pour me voir à Panama, yo même demandé à Abid là pour te quitter, qu'on ait acheté. Mais Abid là, tu as la raison, l'air a été arrivé, Abid l'a montré au l'air, il dit l'air a fini, je ne peux pas continuer le match.
arbitre la campé match. Ça qui vient ba nous que nous gain et l'autre match à table joué à Costa Rica que nous te dis équipe qui fait avec Bolivie la compétition finalement Costa Rica fait match avec Brésil et puis il bat Paraguay il finit à 4 points on pas mettre dans la phase équipe fait encore Bolivie oui Bolivie fait 0 sur 9 mais Paraguay fait 0 sur 9 tout elle dit finalement c'est Bolivie avec Paraguay qui était plus nul en dans la compétition. Colombie bat Paraguay, Brésil seule grande victoire fait dans groupe là, c'est sous Paraguay le fait et puis Costa Rica à la surprise générale menait 2-0 avant 12 minutes de jeu sous Paraguay. Dans deuxième mi-temps Paraguay dit score là mais pas jamais égalisation, match a fini comme ça. Ça qui vient faire que Colombie finit à 7 points premier, Brésil finit à 5 points deuxième et puis Costa Rica finit troisième à 4 points. Paraguay bon dernier 0 points. Jeudi soir, n'a gagné premier quart de finale Argentine contre Équateur. Match a fait à 8h, n'a gagné pour ne parler sur tout. A gagné vendredi Venezuela contre Canada, deux vainqueurs pour jouer ensemble dans demi-finale. Samedi, a gagné Uruguay. Non, c'est match a fait la match à Magali qui a fait samedi. Bon, regardez pour nous. Et logiquement, match Brésil, là, deux matchs a fait ensemble. Yo même contrairement avec match avant yo. Colombie a joué avec Panama à 6h et puis à 9h Uruguay a joué contre Brésil. C'est l'autre match avant yo qu'a fait pourquoi yo? L'autre match qui a gagné pour jouer la Venezuela Canada la fête vendredi pour quoi de même qu'Argentine c'est équipe ça va bien mais même avant yo gagne plus de temps l'autre yo ba yo plus de temps et ben ça fait deux matchs qu'on va faire ensemble en samedi a gagné Uruguay contre Brésil à 9h et puis Panama, Colombie, on a toute équipe qui était là, yo. C'est Panama qui plus faible. Bien que le qualifié à 6 points sur 9, oui. Mais l'équipe qui était là, yo, Venezuela qualifié à 9 sur 9. Qui bat tout le monde dans le boulot. Et Venezuela était là en poule. Qui était gagné, équipe sud-américaine, là, il est arrivé sorti. Et fini premier, il bat tout le monde. Ça veut dire donc l'équipe vénézuélienne a montré, c'est pas programmé ici, que il a classement équipe pour le moment en Amérique du Sud qui est en bonne position pour aller jouer Coupe du Monde 2026 là, qui va dérouler aux États-Unis, Canada avec le Mexique. Et Copa América a pas jamais vu l'autre gens, même depuis mon coup de manque de Copa América depuis 87, au contraire l'améliorer. Parce qu'il était plus mal en termes de coup de pied. L'équipe sud-américaine, dès que vous rentrez eux-mêmes, ils prennent mal un plaisir pour vous goûter, baïkou, contester toute décision d'arbitrage. Ils contestent tout. C'est comme ça que vous jouez, c'est comme ça que vous jouez. Et, n'a pas rien lié. Mais, ça ne veut pas dire que le conseil d'équipe a pris la Coupe d'Europe là. Si y a une équipe sud-américaine qui a battu pour ça, ça son vieux discours lié, un vieux prétexte. Mba ouais, en quoi la Hollande, gonse d'équipe qui a vu Copa América, la moi la Hollande balbacho, qui a fait le quart de finale dans la Coupe d'Europe là. Mga dit même bon la pour Turquie, gen l'autre encore, mga, l'Angleterre mga dit ça pour lui. Et même la fresque a vu là, il va arriver à battre Colombie, non? C'est l'Angleterre qui a battu Chili. Qui n'est pas même qualifié pour deuxième tour compétition. Et chaque monde a un style de jeu par exemple. Un style de jeu en Europe, un style de jeu en Amérique du Sud, un en Afrique, un en Asie. Mais quand il y a là l'équipe croisée, qui ça le fait? Est-ce que c'est comme ça qu'on veut? Non, il n'y a pas de jeu comme ça. Sud-Amérique, on veut comme ça uniquement les abjoints eux-mêmes. Mais les abjoints avec l'autre équipe, ils jouent au football. Ils jouent au football.
Mais nous avons un peu de temps pour Texas, nous avons tout le monde pour qui ça. Et pour Texas, il voit une coupe de la montée net à l'air et puis il a fait Copa América. Et il y a un peu de jouer, c'était même Copa América, même coup de pied, même bagaille. Et au contraire, c'est bon qui te connaît pour la vie, pas de temps pour la vie. Pour les mêmes causes, pas de temps pour la vie. Jodi a la, pas de temps pour la vie. Je me souviens qu'il y a qui te remet, football sud-américain, les deux ont un coup de pied. Je dis, il n'y a pas qu'à gagner plein parce qu'il y a un coup de pied. Il n'y a pas de temps pour réfléchir à la boule là. Si par contre, je fais bon, pile. En Amérique du Sud, il n'y a pas de temps pour réfléchir à la boule là. Et c'est ça, en 30 ans, il vient craser. Et bien, ça fait conseil de ne pas jamais adapter la donne. Ou bien qu'après autant, nous ne jouons pas avec un mec qui est à l'aise dans le football ça. Ah mais ça veut dire que depuis la Colombie, bah, ou quand il joue sur la tête, puis pas tellement il est à l'aise dans le football, ça, son football, il connaît bien. Ou Luis Diaz connaît le football, ça bien. Mais il y a qui pas à l'aise là-dedans. Il y a qui vivent en Europe, qui ont petit, ils pas à l'aise dans le football, ça. Nous sommes contents ensemble avec nous. Prochaine vidéo, qui vais pour sortir la fête sur le match Argentine. Et quoi, tu as gagné pour jouer? Et puis l'a fait tout sous Allemagne, Espagne. Et puis Portugal, la France. Vous êtes content avec nous. Merci un peu. Portez-nous bien. Et.